Alors que l'on rattrape doucement mais sûrement la Scan TV. Ouais, là on a fait tous les niveaux du premier monde. Faut qu'on va faire le boss, parce que là maintenant on peut faire le boss. On a tous les talismans. Faut qu'on aille faire le boss. Ça, c'est le circuit. Donc le boss est en bas. Non, pas du tout. Bon, là on est revenu sur le circuit encore. Quel homme. Cet homme tourne en rond. Là c'est d'où on vient. Oui, c'est d'où on vient, d'accord. Cherche, cherche bien. Cherche bien. Cherche bien, tu vas y arriver, cherche bien. C'est vraiment par là? Mais non, là c'est d'où on vient. C'est vraiment par là alors? Mais non, là c'est le circuit. C'est vraiment un sac à merde, pourquoi tu tournes en rond comme ça? Voilà, c'est juste là, d'accord. Merci. Bien joué, Spiro. Maintenant Bien que tu joué. as les 6 talismans, la porte va C'est s'ouvrir. dur, hein. Nous pouvons aller au donjon de Crush. Avant d'arriver au donjon du château, Spiro, je pense que tu devrais savoir comment Ripto et ses monstres sont arrivés à Avalar. Tu vois, la semaine dernière, dans la toundra, le professeur travaillait sur une nouvelle technologie de superportail. Bon, le dernier orbe est en place. Alors voyons, il ne nous manque plus que des coordonnées. Bon, pourquoi pas 2-2-4-7-5. C'est mon anniversaire. Non, chasseur, arrête. Quoi? Pourquoi aucun de vous? Où sommes-nous? Pas de dragon. Merveilleux. Crash! Retourne faire mes valises! On emménage ici! Dites bonjour à votre nouveau roi. Professeur, fermez-le, vite! Seigneur, seigneur, je ne vois pas le bouton. Je crois bien que j'ai cassé mes lunettes. Crash! Casse le portail, espèce d'idiot! Dis à tous tes amis de prendre les orbes et de les disperser dans Avalar, vite! Je vais te tuer! C'est une mauvaise nouvelle pour Avalar. Chasseur, tu aurais dû le poursuivre. Oui, je me serais bien lancé à ses trousses, mais... n'a-t-il pas mentionné le fait qu'il n'aime pas les dragons? Professeur, peut-on trouver un dragon pour nous aider? Oui, oui, probablement. Nous avons besoin d'un monde dont l'alignement convient mieux à l'interception d'une de ces créatures. Pourquoi pas, Lueur?
Très bien. On va pouvoir affronter Crush. En souplesse de saut, hein, le combat contre Crush. Voilà. En souplesse de saut. Optimiser mieux le combat. Ah oui, voilà, et là enfin ça y est, il se décide de nous courir après. Il me semblait que dans l'original il vous courait après à chaque. À chaque phase. Ça y est, il décide de nous courir après. Hit. C'est rigolo parce que visiblement si on court comme ça, il ne s'arrête jamais. Si on court comme ça, visiblement. En fait, il fait que se retourner, je crois. Je crois qu'il fait que tourner sur lui-même. Ça marche pas très bien. C'est bon? Ça va mieux comme ça? Ou alors peut-être tu veux que je te crame une dernière fois. C'est bon. C'est bon. Conservateur 1. Je suis le conservateur. Tu as peut-être pu battre ce demeuré, mais Gulp sera un adversaire bien plus coriace. Faites ton mieux, mon gars. Gulp, et à tout de suite. Détruis-le. Et que ça fasse mal. Et voilà, nous avons vaincu Crush, nous avons sauvé le monde de la forêt d'été, de la domination de Ripto, on a vaincu Crush.
Nous pouvons passer au niveau suivant, au monde suivant, qui est les plaines d'automne. Ça aura fini de charger. Ce ripto a causé assez de dégâts. Ces petites frasques m'ont coûté une fortune. Sans l'aide de Spyro, je serais ruiné. Oh, si Ripto était ici, je lui dirais ma façon de penser. En fait, j'irais même beaucoup plus loin. J'ai été champion de boxe poids bantam à l'université. Je ne suis pas encore rouillé. Prends ça. Et ça. Non. Quoi? Pourquoi? Toi? Ah ouais, ça a dû faire mal. Hein. Très bien. Alors, nous sommes donc dans la forêt d'automne. Alors, ce qu'il faut faire dans la forêt d'automne, tout de suite, c'est aller ici. Comme ça, ce gros-là va pouvoir nous apprendre à grimper. Comme toi, n'hésitera pas à payer quelques gemmes pour apprendre à grimper. Pas grand-chose, combien? 500. Ne le regrettera pas. Bon, et quand tu penses voir une surface ou un mur, merci, tu peux monter et descendre. Appuie. Oui, je peux monter et descendre, oui. Ouais, donc maintenant, on sait grimper. C'est-à-dire que maintenant, les échelles, on peut les faire. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on peut faire, c'est retourner à la forêt d'été par ce petit téléporteur. Vous voyez, d'ailleurs, on voit qu'il manque une orbe dans la forêt d'été. Normal, parce qu'on ne savait pas grimper à l'époque. Maintenant que l'on sait grimper, on peut retourner faire les mondes qu'on ne pouvait pas finir à 100% dans la forêt d'été. Et oui, c'est logique.